On va au bout, ouais. Ah ouais. Un petit peu de gaz et Allez, Aurélie. Génial. Bravo. Aurélie. Bravo. Ouais. Ouais. Merci pour l'accueil. La bouteille de rhum. Ah, bah ça va, ça ira mieux après ça. Et puis, vu mon état, ça va vite partir. Allez, alors. Merci pour votre accueil. Bravo. Oh là là. Et voilà, et jusqu'au bout quoi, parce que ce tour de Guadeloupe là, c'est pas le tour de Belle-Île. Hein. Ouf, il est costaud. Hein. Là, j'ai complètement pété un plomb là, bouillante là. Et complètement pété un plomb, c'était horrible. Effectivement, à faire des tours sur moi-même, bon, j'en pouvais plus parce que là, moi, ça fait un moment que j'avais pas dormi quand même. Donc ça c'est un peu dur, ouais. Autant le début était génial, l'arrivée, les Guadeloupéens qui sont venus me voir, c'était super sympa. Au tout début là, avec la tête à l'anglais, ça a déroulé au début pas mal, et puis après ça a été un peu dur. Puis après c'est reparti, puis voilà, mon bord vers les Saintes et l'arrivée tant attendue. Donc c'est... Bah c'est juste dingue quoi, c'est juste dingue d'être là sur ce bateau là. Là c'était tellement fier d'être sur ce bateau, tellement heureux qu'il navigue, de porter ce message d'économie circulaire. Je pense qu'on en a bien parlé, j'espère. Et on est vraiment allé au bout du use it again and again. Les voiles ont pas mal trinqué. Quand on est parti avec des anciennes voiles qui n'ont pas tenu, hein, c'est juste que les tissus étaient morts. Bon, ça c'est la vie, mais non, c'est super de renaviguer sur ce bateau. C'est un bateau qui est top, hyper sain. Je m'attendais à ça et je me suis pas du tout fait peur. Et j'ai quand même eu à certains moments, notamment vers le départ, quand je passe au nord de Ouessant, et à d'autres moments, voilà, des bonnes vitesses autour de 30 nœuds, de façon très très sereine. Donc c'est un super bateau, un bon bateau de route du Rhum. Maintenant, et voilà, il y a eu une petite avarie qui a causé. Ouais, qui a changé la donne quoi, très clairement, mais je suis vraiment très fier parce que je pense que le bateau est à peu près bon état encore, et c'est un très très beau bateau, et je m'y suis fait quoi, cette taille de bateau, je m'y suis fait, mais bon, je me suis fait mal, hein. Je me suis fait très mal, les heures de winch, les manœuvres sont lourdes, c'est un vieux bateau quand même, donc tout est lourd, l'accastillage est lourd, et ouais, c'est violent quoi. C'est vraiment violent.